Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Oh là 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 là, regardez ce ciel. Oh, ça y est, c'est l'été. C'est muchos caliente, je sais pas quand sort cette vidéo. Normalement, elle sortira après que j'ai passé mon bac. Ou je serai peut-être en train de le passer, je ne sais pas. En tout cas là, on est à J-3, donc souhaitez-moi bonne chance. Je sais que vous en battez les couilles, mais si j'ai pas le bac, c'est la merde. Hop, ça freine, regarde, sans les mains, hop, hop, petit dodon. Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il est dimanche. Dimanche matin, il fait beau, ça fait plaisir. Un petit peu de vent frais quand même. Aujourd'hui, on va aller se pavaner avec la derby kiki. Allez-y, copains et copines. Pop, 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 pop. J'espère que vous allez tous bien. Ça y est, là, plus personne n'est en vacances. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 150 000. Oh là là, ça me fait trop plaisir. N'oubliez pas qu'à 150 000, j'essaye de vous organiser un petit concours pour gagner un petit casque sympathique, quoi. Pas se mentir, un petit casque. Bon, j'espère qu'on voit bien avec la GoPro que tout est bien réglé. Ça, c'est à chaque vidéo, hein. Toute ta vidéo, elle peut être foirée à cause de la GoPro. Ah, ça ferait chier, hein. Ah là 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 là. Ça fait plaisir que le soleil revienne, là. Oh là là. Oh non, j'ai un truc dans l'œil. Oh merde. Ah, je sais pas si j'ai réussi à l'enlever. Ah bah lui, c'était sûr. J'allais dire celui-là, on se le tape au rouge. Ah là là. Ah ouais. Oh ouais. Ah, il sautille, le camion. C'est chiant, on peut plus faire de départ GP avec la transmis. Poupila, pop, 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 marche bien. Les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de... je ne sais rien du tout, les frères. Aujourd'hui, c'est une vidéo chillax on the max. Daily observation. C'est Daily observe le fion, je te jure. Quand il n'y a rien à observer, c'est un peu relou. Mais non, on va se balader, on va essayer de faire... On va se balader, quoi. Je vous promène, c'est moi qui vous sors. Non, mais en vrai, quand il fait beau, il faut obligatoirement sortir. Tu fais un petit tour de bike. Tu vois, t'es bien. Le Iveco fou, frérot, il sautille de l'arrière. Oh, ça me donne faim de voir des frites comme ça. Oh là là. Ah, c'est les camping-caristes, frérot. Ils ont fait une escale ici, je sais pas ce qu'ils sont venus voir. Mais il y a rien à voir dans la région, frérot. Les amis, est-ce que ça vous tenteriez? Ça vous tenteriez, ça veut rien dire ça. Est-ce que ça vous tente que je refasse une vidéo? Comment convaincre ses parents d'acheter une moto, d'avoir un scoot, une moto, un quad, un truc avec un moteur? Parce que c'est vrai que du coup, il y a personne, il y a beaucoup de personnes qui me demandent de refaire ça, alors que je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait il y a longtemps. C'est une Porsche? Non, c'est pas une Porsche. Si, c'est une Porsche. Non, c'est pas une Porsche. On va vite le savoir. C'est une Carrera. Mais non. Carrera 4. Oh là là, dimanche, il sort sa petite Porsche. Le 27, c'est où ça le 27? Je sais pas où c'est. Les amis, s'il vous plaît, mettez des pouces bleus. Oh, il y a trop de prestance, le mec, il est en Porsche, quoi. C'est pas la plus belle que j'ai déjà vue de ma vie, mais... Enfin, même ça, je sais pas, je t'échange contre la Derby. La Derby, ça sera un collector 2035, ils arrêtent la production des thermiques. La Derby, choy. Vas-y, tu sais quoi, juste parce que c'est une Porsche, je vais le suivre. Oh, écoute le bruit. Ouais, il y a quand même un petit bruit, hein. Wow, par contre, la largeur des pneus, frérot, j'ai pas envie de payer la facture, hein. Oh. Attends, si, attends, il y a du bruit. Faut que j'arrête le moteur de la Derby. Attends, écoutez. Oh là 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 là, oh c'est beau. Attendez, faut que je le rattrape maintenant, ça y est. Ah si, c'est une RHD, c'est une anglaise en plus. Ah bah le 27, je sais pas où c'était, mais ça se trouve c'était pas en France, hein. Bah si, je suis con. C'était une plaque française, mais c'était une RHD. Ouah, ça c'est le couz. Ouais Dédé. La dégaine, frère. Petite Porsche folle, frérot. Oh là là. Il avait une jeune... c'est quoi ça? Une Derby GPR, ça, non? Vous préférez avoir une 50 Supermote, une 50 Enduro ou une 50 GP? Non, mais franchement... Ah ouais, le stop, frérot. On dirait moi en trottinette. Ah, il nous a fait le méchant stop, hein. Ah, il te l'a respecté comme never, celui-là. C'est trop drôle. Oh, la route ici, frère. Oh, aïe, aïe, aïe. Tu fais quoi, toi? Elle va demander sa jeune route miteuse. Oh, elle s'est pris un méchant vent. Oh, fallait me demander, mademoiselle. Bon, on fait comment, là? Et du monde là. C'est pas qu'il y a un peu de monde, dis donc. Allez, on y va. Allez, envoie les watts. Envoie les watts, papy. Non, toi, je te laisse pas passer. Même si t'es plutôt joli, c'est pas que t'es. Ouah, c'est pas quoi ici? Wesh, frère. Attends, je me suis fait aveugler par une jolie fille. Ça pue brûler ou c'est moi? Il se passe quoi, gros? C'est quoi tout ce monde? Wesh, je suis arrivé où là? C'est quoi ce bordel? Mais où est-ce que je suis arrivé, moi? Oh là là, je me mets dans la merde. Mais où est-ce que je suis arrivé? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que je fous ici, moi? Oh putain, il y avait les motards. C'est quoi ça? Attends, mais moi, faut que je passe ici, c'est le bourbier ici. Mais c'était quoi ce bordel? Où est-ce que je suis arrivé? Oh là là. Ben, bah pour un dimanche matin, c'est bien mouvementé, donc. Bon, lui, avec son CX3, frérot... Oh non, non, le vélo, il va pas se mettre devant.
Dis-moi que tu vas le dépasser. Faut vraiment que je le règle ce rétro. Il est trop bien parce que pour les photos et tout, c'est trop pratique, mais qu'est-ce qu'on voit pas? Ah bah allez frère, divorce là. S'il met pas son doigt pour tourner lui. Ah ouais non, je sens ils vont m'énerver. Mais il y a un rouge. Allez Maurice, la VMAX, t'as combien? Eh, c'est pas que t'avances à 30 km/h Maurice. Allez papy, on y va, on envoie des gaz, c'est pas normal quand 50 chevaux à ton cul. Allez on pousse. Mais frérot, je crois que je suis arrivé dans une cérémonie mon ref. Je sais pas pourquoi il y avait autant de pompiers. Mais là, c'était pas le moment de passer des chicanés en gros cube. Hein. Ah, les vététistes, les jeunes vététistes fous, frérot. Et ils vont, c'était sûr. J'allais dire, ils veulent passer, c'était sûr. Bah, moi, je les laisse passer. Bah, bien sûr, je suis pas con. Vas-y, collègue. Vas-y. Pas de soucis. Pas de soucis, collègue. Trop gentil, il m'a fait le pouce. Pour un dimanche matin, je sens les gens un peu de bonne humeur. C'est pas normal. Normalement, ils tirent tous la gueule. Non, c'est lundi matin, j'avoue. Tout le monde y tire la gueule lundi matin. Oh là là, il fait beau là, ça fait bien. T'as les panneaux McDo comme ça. Ah, ça te fait penser à un petit truc bon là dans la bouche. Hein. De voir des champs comme ça, ça me donne envie de refaire de l'enduro en 50. Je vous jure, j'achète une bêta. C'est quoi, c'est les... Non, c'est les bêta RR enduro. Non, juste enduro, je crois. Oh là là, comment c'est beau. Petite bêta enduro, réservoir transparent. Oh, le kiff. Bon, pour maintenant, faut attendre, il faut acheter la 125. Hein. Ah, il est tombé en panne. Il est tombé en panne, le chef. Bon, sinon, les frères, moi, je suis parti sur un road trip. Oh, ça, c'est beau. C'est une moto à trois roues. Du coup, c'est quand même un motard. Ouais, c'est une vraie question, ça. C'est quand même un motard alors qu'il a trois roues. Ah, ça, on ne sait pas, gros. Boubibam, boubibam. Trois roues, motard. Il est où? Il est où? Il a disparu. Il a disparu, le jeune trois roues. Alors, ça, c'est quoi, ça? Oh, c'est le jeune motard. Oh, clopebec. Et lui, s'il en sert pas de la gadi. Lui a mis ses petites lunettes et on part. Oh, c'est vrai. J'aurais pu aller à la piscine, moi, ce matin. C'est le chemin pour aller à la piscine. Bah ouais, quand t'as passé dessous, tu vas à la piscine municipale. Sinon, après, tu te la fais construire, ta piscine encastrée, frérot. Bon, par contre, moi, je suis pas parti là où je voulais. Là, c'est vraiment le vent qui m'a conduit à cette direction. Va falloir que je change de direction, là, parce que sinon, je sais pas où on est parti. Attends, mais même ici, il y a un truc. J'entends du tambour. Je te jure, j'entends du tambour. Hey, il se passe quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Attends. Oh non, ils sont encore là-bas. Mais c'est quoi ce plan bourbier? Mais je crois savoir ce que c'est. Mais attends, mais pourquoi il y a les flics partout? Mais il n'y a pas un truc aujourd'hui. Il n'y a pas la victoire de la guerre ou je ne sais quoi, un truc comme ça, un bail comme ça. Dites-moi, mais je crois qu'il y a un bail comme ça avec la victoire de la guerre ou je sais pas quoi. Attends, on est combien? On est le 7. Il n'y a pas un truc comme ça avec la victoire de la guerre ou quoi? Il fait quoi là? Un partage une demi-heure. Regardez comment c'est stylé. C'est beau gosse hein, un petit trois roues. Mais oui, mais je crois qu'il y a un truc aujourd'hui avec la guerre. Mais oui, putain, mais comment je sais pas ça à 3... Oh putain, il y a encore les flics là-bas. À 3 jours du bac, comment je sais pas ça? Ah mais ouais, mais attends, mais c'est le plan bourbier de sortir aujourd'hui. Salut les frères, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Wesh, pourquoi ils sont tous là-bas? Il fait quoi? What the bee? Attends, mais ils sont partout, mais quel plan bourbier en fait de sortir aujourd'hui? Mais oui, mais je crois qu'il y a un... On est le 7, le 8. Oh non, attends, on va dire que je suis pas un bon français parce que je sais pas ce qu'il y a. Le 8 mai. Attends, on est le 8 mai? Faut que je m'arrête pour demander à quelqu'un. Mais non, mais le 8 mai, il y a un truc. Mais on n'est pas le 7. Oh, je sais plus. Bon, bah au final, sortez pas le 8 mai dans les rues. Ah, ça ex... Attends, mais je vais devoir être obligé de repasser par là-bas. Si je me fais contrôler, alors que c'est moi qui suis allé à la police, c'est un petit peu con. On va serrer les fesses, hein, il me contrôle pas, mon ref. Ah, merde. C'est ça, les aléas du direct, frérot. C'est quoi, vous, vos rituels le dimanche? Souvent, c'est un petit poulet en famille, non? Allez, avec la Fabia, tord là, voilà, prends l'inter. Oh, le con, j'avais complètement zappé. Mais c'est vrai qu'en y repensant deux fois, je crois qu'il y a un truc. Moi, c'est beau, là, de la waterproof. Qu'est-ce que vous en pensez de la sonorité de ce Yazuni, les amis? Moi, je vous ai pas fait le retour, en fait, de ce pot, je viens d'y penser. Ça fait au moins bientôt un an qu'il est monté sur la bécane. Mais en vrai, pour ceux qui veulent un avis, il est trop bien. Il te fait gagner des perfs à la bécane. T'as pas idée, hein? Et là, tu sautes. Voilà. Oh là là, il y a du monde. Bon les amis, vous avez prévu quoi pour cet été là? Il y en a qui vont bosser pour se payer la bécane ou quoi? Et vous savez pourquoi j'ai envie de faire une vidéo comment convaincre ses parents d'avoir une moto?
c'est que là, en fait, bah c'est pile le moment pour faire ça, pour négocier, parce que là, il va avoir le bac. Mais bon, vas-y, t'as le bac, frérot, tu négocies pas une moto, tu négocies un gros cube direct. Il y a le brevet, et là, le brevet, c'est ce qu'il faut, Mzandranzaki. Le brevet, c'est ce qu'il faut pour négocier. Qui a négocié pour son brevet une bécane, les refs? J'espère que vous l'avez fait, hein, parce que c'est le moment. Hein. Vous dites, ouais, papa, ouais, maman, si j'ai mon brevet, mention quoi? Mention bien, très bien, après, tu doses. Si t'es vraiment une grosse merde à l'école, bah tu dis, si j'ai le brevet tout court. Et puis voilà, tu négocies. Et arrêtez, hein, ils me disent pas bonjour parce que je suis pas en doudoune. Ah bah si, parce que je suis en doudoune du coup. Ah ouais, le français là, heureusement que je l'ai pas au bac celui-là. Attends, du coup je vais anticiper le bordel. Oh le trou de balle que je suis. Moi je savais pas qu'il y avait une cérémonie. Oh putain, il y a les flics encore. Ouais, on va passer tranquillement, c'est combien? C'est 30. Hop, petit clignotant. Hop, voilà, hop, ils sont là à droite là. Ouais, salut les mecs, vous allez bien? Ouais, moi aussi je vais bien, passer une bonne journée. Ouais, vous aussi, bon dimanche. Oh là, on est bien. Oh là 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 là. Hop, on pousse pas, j'ai un origine. Putain, mais là tu passes avec un kit, mais comment t'es pas serein? Arrêtez. Mais arrêtez, bordel, putain, je suis obligé de mettre un coup de tête, sinon vous regardez tous. Est-ce que ma copine, elle est priorité à droite, les amis? On la marque, hop. Ça fait 6 ans, dirais-je, je vous dis que je vais passer le permis. Eh, là maintenant, faut être dans les révisions, dans l'analyse. Mais après, moi, je suis malin. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire les parcours d'examen en bécane. Je vais les apprendre par cœur, frérot. Je vais les connaître par cœur. Toutes les failles du système, je vais les connaître. Le jour du MIPER, frérot, t'arrives. Elle te demande, vous connaissez ici? Ah ouais, les gens de BM sur le trafic, frérot. Vous connaissez ici? Bah non. Ah putain, vous êtes très bon pilote, dis donc. Bah ouais, gros. C'est de l'analyse. Non, dans le cul de la mégane. Allez les amis, c'est une blague. Coco, c'est vert. Ah, pas de soucis, collègue. Soucis. Oh non, bah la vie de ma mère. Oh bah je suis la pluie. Non, c'est mort. Non, c'est pas de sa faute que je me prenais le rouge. Ah non, c'est mort. Ah, c'est un derby. Attends, il me disait genre en mode il m'a reconnu ou il me disait bonjour? Soit il lui manque un doigt, il essaie de faire lever, mais il a plus l'index. Du coup, il a fait comme ça. Soit c'était un abonné. Eh hey, mon ref, si t'étais un abonné, reviens. Je veux qu'on présente ta derby GPR. Je veux essayer comparer une derby supermote. Oh la bouse est nette. Oh mon gars, le tracto. Oh. Oh. Oh non. Clio RS. Oh non. Oh elle est magnifique. Oh non, elle est magnifique. Attends, il va où? Non, il faut absolument que... Attends, il va à droite ou à gauche? S'il te plaît, dis-moi qui est derrière moi. Oui, il reste derrière moi. Viens avec moi. Non. Oh là, les deux sorties, c'est la phase 3. Oh non, le seum. Bon, une petite Carrera, une petite Clio RS. Putain, non, moi je voulais entendre le bruit. Avec les sorties au milieu, si je dis pas de conneries, c'est la phase 3. Oh non, trop le seum. Ah mais c'est toujours blindé ici, mais le mec qui tient ça, mais... Oh, il doit avoir des couilles en diamant brut celui-là. Ouais, bah je t'avais pas vu avec ton petit vélo, je suis désolé mon ref. Sinon je laisse passer tout le temps moi. Allez, c'est quoi ce film de cul encore? Allez, bah oui, c'est la fête du slibar ici. Oi, 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 oi. À 50 voitures. Merci les refs. Merci, t'es trop gentil. Gros cœur sur vous. Trop mignon. Allez, dégage. Oh putain, moi faut pas me mettre un gros cube. Hein. Oh, je vais être le pire. Allez, je sais que tu vas à gauche, mets ton clignotant. En mode t'y vas pas. En mode t'y vas pas. C'est quoi cet écart à droite là? T'as peur de manger une jante? Accélère, bordel. Cette courbe là, tu la prends, tu frottes le genou carrément. Tu te lances. Oh là là. Y'a du soleil. Et pourquoi elle fait coucou elle? Pourquoi tu fais coucou? Tu fais coucou à qui mon ref? T'es bourré ou quoi gros? Ah, on attaque à la sortie. Allez, on pousse. Allez, la 3. La litre 9 TDI. Ouh, Golf 5 GTI. Mac. Une vraie encyclopédie. Bah t'es moche. Oh non, en vert comme ça, je suis désolé mon ref. Chacun ses goûts et ses couleurs comme on dit. Alors c'est quoi devant? Mazette ou Jaguar? On va aller voir ça. Oh, il y a la jeune Twingo folle. Mazette ou Jaguar? Attends, je vais voir. Jaguar. Oh, attends, c'est qui s'ambiance comme ça là? Oh, c'est derrière. En fond les ballons. Ça s'ambiance à mort. Oh, mais frérot. Mais qui n'a pas envie de. Le dimanche matin, tu sors ta voiture qui reste toute la semaine au garage. Elle est bien, les sous-bâches. Tu la sors tranquillement le dimanche. Oh, comment t'es bien. Eh, je vais le doubler par la droite. Frérot, tu roules à gauche, t'es anti-motard ou quoi? Elle veut pas qu'on la passe. Non mais elle roule à gauche, mais de ouf. Ah, y'a du vent. Ah, on se fait bousculer. Oh. Oh, bâtard. Oh, le coude sur la vitre. Ouais, il s'est mis humble, lui. Ah, pas voulu aller, la derby. Ah ouais, l'accélération, putain. Ah, je parle d'un Jaguar, hein, je parle pas de la derby. La derby, on a le temps. Hein. Je vais la doubler par la droite. Clignotant à droite, je la double. Frérot, il y a un mètre. Si je me mets à gauche, tu penses qu'elle va se bouger à droite? Oh, les amis, je vous jure que c'est vrai, une fois.
petite sortie. C'était pas un dimanche matin, mais c'était le week-end quand même. N'empêche que moi j'étais là, je sors. La derby, ça part en motovlog, t'as capté? Mais un truc bien, tu vois. Devinez quoi, je tombe dans un cortège, un rasso, Ferrari, Lambeau, Porsche, GT3 RS. GT3 RS. Et moi en plein milieu derrière l'Aventador. Je vous jure que c'est vrai. Et la vidéo, en gros, bah j'ai supprimé les rushs. Mais j'en ai fait une story sur Instagram si je me trompe pas, Ferrari. Mais c'est quoi ce dimanche matin de taré? Ouah. Mais ouais, ça y est, moi je vais me renommer Automoto Léo. Ah mais t'as vu le temps qu'il fait? Petit cabriolet, ta petite meuf. Oh là 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 là. Regardez la propriété qu'il y a ici les mecs. Par contre on peut rien voir mais ouah, la priorité, la propriété de taré frère. Oh. Bon les amis, je sais pas quand cette vidéo va s'arrêter comme d'hab parce que on sait jamais hein. À tout moment la GoPro elle a plus envie de bosser et elle s'est arrêtée de filmer. Mais en tout cas dites-moi si vous voulez que je lance une série, les dimanches matins de Léo. Non, ou genre en mode les motovlogs du dimanche. Parce que en vrai il y a des pépites à voir hein. Ça c'était un dimanche bien mouvementé frérot. Et du coup merci les amis, parce que vous m'avez répondu, police municipale, là je suis carrément dans la merde. Là je suis carrément dans la merde, mais je pense qu'ils sont tous en cérémonie. Je vous l'ai dit, c'est le mauvais bail. C'est, je suis à 50, dis-moi que c'est 50. Oh, oh la merde. Et là au stop frérot, ils vont accélérer, ils vont venir se mettre derrière moi. Ça serait fin drôle. Un petit coup de Gigi et moi je suis sur le côté. Bon ça fera plus de vues, écoute. On va partir tranquillement, on va voir s'ils nous suivent. Mais non, ils nous ont même pas suivis. Bah ils sont loin, ils ont fumé. Non, ils étaient tous en cérémonie. Ils avaient pas envie de contrôler le petit jeune. Je me dis à des moments, si on n'a pas de frein, oh putain, ça finirait mal cette histoire. MX5, phare escamotable. Ouah, ça fait longtemps qu'elle est pas sortie. Hein. Ah, ils ont pas envie de se parler, eux, ils font la gueule. Les uns derrière les autres. Dédé et Jackie. Ma jeune demoiselle, je te dépasse. T'es mignonne, hein, mais j'ai pas trop envie de rester avec toi. T'es un peu trop vieille pour moi. Ah putain, j'ai une bête qui est venue se mettre dans mon pied, c'est horrible. Ah ouais frérot, oh, elle était dans le champ pour me laisser passer elle. Je te remercie mademoiselle. Ah bah la vitesse qui est pas passée, sinon t'arrives là. Et là, tu gazes, gaz en grand. Ça, retenez bien ce moment là, quand je gazais en grand avec la derby. Et le jour où j'ai le gros cube. Eh bah rappelez-moi que je gazais en grand avant. On fait comment avec Bidet là? Vous allez où? Non non non, te retournez pas, j'ai pas envie de te tuer. T'inquiète pas mon ref. Oulala. Oulala, on va pas les traumatiser les Bidets. Qu'est-ce que c'est beau les Bidets. Ah bah là là. C'est le rallye. Hop allez. Ah plaisir ça. Ça avec une vraie bécane, comment ça doit être le kiff. Ah ces petits VTTistes. Ça c'est trop drôle. C'est ceux qui viennent en voiture pour rouler sur des coins en VTT. Ah ça veut dire qu'ils en ont envie hein. Un petit coup de buisson. Salut Patrick. Il roule la bouche ouverte, lui, il va avoir des bouches. Ah, elles sont pas mal, ces petites routes, hein. Qu'est-ce que ça a dit, les mecs? C'est bien, avec une derby, t'as pas besoin d'être à haute vitesse pour t'amuser à prendre les virages. Tu peux être à 10 km/h, t'es en Vmax. Et vas-y, tape, tape. Oh putain. Ah, jeune motard. Ça va, collègue? Il y a le seum de dire bonjour à un 50, lui. Ça se voit. En fait, c'est bien, toutes mes sorties du dimanche, je vais vous le filmer. Moi, je prends du bon temps. Et ensuite, après, j'en fais une compile et je vous mets ça en vidéo. Et au moins, vous, le dimanche matin, en vous levant. Petit déjeuner, petite vidéo de Léo. À toutes vos daronnes. Non, je rigole. Mais voilà, si vous voulez voir des vidéos, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, je peux vous dire que d'ici très peu de temps, si tout va bien, si j'ai le papier qu'il faut avoir, on va s'éclater. Ah, vous savez très bien de quoi je parle, hein. Et hop.
Oh putain, oh il faisait mal. Ah c'est pas cette maison, il y a deux entrées. Ah si, c'est le mariage divorcé mais qui veulent garder la même maison. Ils ont deux entrées différentes. 1m50 hors agglomération. Voilà, c'est bon, tu peux dépasser à 1m. Ça passe large, Michel. Ah ça c'est le vélo, le jeune cycliste qui veut pas se faire dépasser. Il a envie de rouler avec sa gadi. Il a pas envie qu'on le dépasse. Et il a pas envie de se mettre derrière. Oh pétard. Wow. Eh, fais gaffe gros, tu mets un coup de frein, le kleps. Oulala, c'est la fête du slibar ici. La jeune Mustang. Ça a Daron qui conduit. Attends, si vraiment on devait être à 30, c'est-à-dire, genre là déjà je suis en excès, attends, à 30. Voilà. Oh, t'imagines une vidéo comme ça. Je pense que, salut les mecs, j'espère que vous êtes. On se ferait chier, non? Alors je dis pas que la débit elle va à 200, hein, mais... Oh, comment on se ferait chier? Autant acheter un vélo, hein. Hop, pied sur le frein, on sait jamais, quand même priorité, hein. T'imagines, t'as le pied cassé. Non, bah ouais, le mec il passe comment ses vitesses à la main? Mais le mec, jambes cassées, comme ça. Ça serait aberrant. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé une petite vidéo, petit motovlog. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. C'est vrai, y a pas assez de monde sur mon Insta. Oh, on pourrait faire des dingueries avec plus de... Oh les refs, je vais pas vous dire de dégager de la route, mais les poids lourds, je sais que c'est souvent sur la route, mais là ça sera sur le trottoir aujourd'hui. Je rigole. Les amis, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. On est plus de 20 000 et ça me fait trop plaisir, mais je sais qu'on peut être plus de 40 000 là-dessus. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man.